Eh bien, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le test de mode numéro 6 sur SpinTears. Allez, c'est parti! Et donc, on se retrouve encore une fois après mon intro de ma chaîne. Et donc, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on est là pour un test de mode sur SpinTears. Donc, c'est un Dorothy. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça ressemble pas à grand-chose. Mais bon, je sais pas si ça existe en vrai. Ça m'étonnerait. Donc, c'est vraiment monstrueux. Hein. Je vais vous le comparer avec un camion tout à l'heure. C'est vraiment monstre. Hein. Quand vous voyez, ça fait du ménage dans les arbres là. Les camions, vous pouvez pas faire ça avec, hein. Même les plus gros. Donc alors, ça ressemble à un tracteur avec une grue derrière et un contrepoids aussi. Donc je ne sais pas trop à quoi ça renvoie en vrai. Mais bon. On va essayer de pas aller dans l'eau, s'il vous plaît. Donc alors après aussi on va tester les performances de la bête au niveau de la montée, dans la rivière et tout ci, tout ça. Donc je pense que cette vidéo sera un petit peu plus longue que le précédent test de mode sur SpinTears, hein, je pense. Voilà, on voit plus grand chose. Alors les points de vue, je les trouve pas terribles sur SpinTears, hein, pas forcément sur ce mode. Ce mode est assez bien fait. Par contre, le seul point faible, je trouve, c'est que c'est les sons de base du jeu. Bon, c'est pas grand-chose, hein, mais bon, ils auraient pu faire des sons spéciaux du genre. Enfin, du genre, je sais pas moi, mais. Alors là, j'ai bloqué le différentiel pour pouvoir quand même m'aider à sortir. Alors je vous mettrai le lien du mode dans la description. Hein. Comme d'habitude, quand je fais des tests de mode, je mets le lien dans la description. Prochainement sur Euro Truck Simulator, avant la chronique du Cric, Bah non, j'ai rien dit, oublié, parce que je pense que le test de mode il sera déjà. Donc alors mon camion du précédent test de mode est là-bas et justement on va le comparer en taille avec ça. C'est un peu monstrueux, ouais, c'est même. Comme vous pouvez le voir, alors on va bien mettre les deux à côté. Voilà à peu près la différence de taille. Donc c'est vraiment monstrueux, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc maintenant, on va aller tester nos compétences nos compétences à tout court les compétences de l'engin. Donc je sais pas si ça existe, donc je peux pas vous dire si, enfin je m'y connais pas sur ces trucs-là. Hein. En gros, voilà, les amis. Alors on est obligé assez souvent de bloquer le différentiel, je trouve. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Mais... C'est vraiment souvent. Allez, allez. N'oblige pas à bloquer le différentiel. Ouais. Ça y est. Alors, je sais pas pourquoi il ralentit des fois. Ouais, c'est quand il change les vitesses. Et donc là, on va aller essayer de monter par là. Alors, il y a un petit chemin, je ne sais plus où. Non, il faut tourner avant. Oui, ça. Et... Ça serait bien que j'évite de démolir les arbres.
Donc alors j'espère que pour le moment ce test de mode vous plaît les amis. Hein. C'est vrai que je peux pas trop regarder la webcam, je pense que je la changerai. D'ailleurs je pourrais faire ça en direct. Dites-moi si la vue est meilleure comme ça là, par là. Oh là, désolé. Bon, je la remets là en attendant, puis je changerai ça, eh bien, par la suite en solo. Alors, maintenant que j'ai foutu un arbre dans le chemin, ça va être un petit peu difficile, je pense. Mais bon, vu la puissance de la chose, ça m'étonnerait que ce soit trop compliqué quand même. D'ailleurs, le chemin est limite assez grand pour ce truc-là. Tellement balèze ce truc. Oh là là. Alors là, je suis en train de déforester la forêt entière, les amis. Ça, c'est vraiment du tout et du n'importe quoi. C'est vraiment un genre de tracteur surdimensionné avec 5 essieux, tous motorisés, on dirait. Donc, c'est vraiment un truc de malade. Et donc on va passer par là comme mon précédent test de mode, on va traverser la rivière. Est-ce que là je vais pas aller là où j'y suis allé si vous avez regardé mon test de mode numéro 5 sur Speed Tier, je me suis un peu planté à un moment, j'étais obligé de couper la vidéo parce que le jeu s'est mis à bugger du coup. Donc voilà. Alors, va-t-il monter ce truc? Ouais, c'est bien ça. Donc il est monté. Et maintenant, on va aller par là. Ouais, c'est par là. Il plouffe dans l'eau. Donc là, le différentiel n'est pas bloqué, hein, les amis, pour info. Non, il n'est pas bloqué le différentiel, j'avance assez bien quand même. Bon, pour le moment, parce que je crois pas que ça va durer. Donc je vais le bloquer pour aider à accélérer quand même un peu. On va pas rester des heures dans l'eau, hein. Eh bien voilà les amis, je pense avoir fait le tour pour ce mode. On a vu à peu près tout, hein, les capacités à monter les côtes et tout ça. Alors si vous voyez, c'est une cabine de camion qui est en haut, c'est assez spécial quand même. Hein. Et donc eh bien voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce petit test de mode. Alors eh bien si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu et puis allez voir ma chaîne et si ma chaîne vous plaît, abonnez-vous. Allez, salut à tous pour de prochaines vidéos!